Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est Pokévolier. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ok, là, je viens d'avoir un truc, je m'y attendais pas. Mais je crois, lui, c'est un SSS, non? Bah, du coup, on commence directement sur un SSS. C'est là, je suis là parce qu'il y a un nouvel event et je trouve une petite pièce G, donc un nouveau rang Z. Et lui, du coup, dans ma tête, c'est un rang SSS. SSS. Ah ouais, ok, autant pour moi. Parce que je crois que je l'avais eu, oui, je l'avais eu dans un ancien compte, voilà. Du coup, on va faire tout simplement ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est un tirage. On va un peu en mode normal parce que l'événement, je le garde pour demain parce que j'ai pas la pièce Nirbo. Mais alors, c'est juste un peu envie de le faire. Mais je tiens à dire que pour cet événement, et peut-être pour le précédent, je vais pas essayer d'avoir le meilleur score, je vais juste essayer le plus vite possible. Et du coup, la petite pièce Z gratuite encore une fois avec le rang Z. Je sais pas si ça se dit, une gaffe de rang Z. Bon. Du coup, voilà, petit rang Z parfait. Oh non. Ils ont vraiment osé. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais quand même, hein, sur les trois rangs Z que j'ai eu, il y en a... Tant pis. Du coup, j'avais pas testé lui, donc on va dire que c'est lui le rang Z de la pièce. J'espère vraiment que c'est un booster d'attaque ou de score, parce qu'en plus, il est raccord. Et là, ce serait vraiment cool. Du coup, c'est parti pour voir. Je suis proche de faire un tirage à 500, mais je pense que je vais attendre 4-3. Il faut que je vois. Donc, en tout cas, c'est parti pour le tester. En espérant vraiment que ça soit un booster d'attaque ou de score. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de yokai, à mon avis, qui font juste des dégâts comme ça. Des dégâts au boss, ce serait même rien que ça, ce serait déjà bien. Mais quand ça éclate toutes les globules, c'est un peu pénible. Mais le truc, c'est que si ça attaque le boss, bah, je peux les farmer en boucle. Moi, je peux avoir, je sais pas, 6 fois sa globule maximum, attaquer, enfin faire son âme ultime, cliquer pour refaire, etc. etc. Et du coup, c'est parti pour combattre Triplieux. Alors, Triplieux, c'est un peu ma référence de base pour vérifier les stats. Déjà, il est giga stylé. Je me demande si c'est pas parti d'un... Faut voir après, je dis pas encore qu'est-ce que je pense, mais... Mais sérieusement? Ok, donc... Non, je vais attendre la somme. Généralement, j'ai de la chance quand je fais des trucs sombres, c'est là où ça va pas. Oui, c'est vrai. Bah après, il y a un côté positif, c'est le fait qu'il ait une amitié level 2. C'est que du coup, maintenant, bah... Il est encore plus fort. Parfait. Du coup, c'est aussi un attaquant. Et là, let's go voir c'est quoi. Ah, faut le refaire. C'est super intéressant comme truc. En plus, le pire, c'est que je sais pas si vous voyez c'est quoi la forme. Si vous avez joué au Yo-Kai Watch, les vrais, vous voyez. Si ça se trouve, je vais dire une bêtise. Mais il fait relier des fois pour faire la multime où tu dois faire 3 formes. Et ça, c'est dedans. Je me demande si je le relie à temps. Est-ce que ça fait plus de dégâts? Si c'est le cas, il y a moyen de faire de belles choses. Du coup, voilà, parfait. Tac, petit truc. Je sais pas si je vais attendre finalement la réduit 450 parce que j'ai trop envie de faire des tirages. Bah, petit secret de l'âme, pourquoi pas. 6e jour de connexion, super. Le 7e, je crois qu'on reçoit 3000 pièces, ou à moins que ça se... je confonde avec un autre. Ah oui, dans ma tête, il était dans celui-là. Je crois qu'il était dans celui-là. Mais j'ai un doute, donc là c'est les bébés, donc c'est pas possible. Pour moi, il était dedans. Pff.
faut que je vois déjà sa forme et je vais vérifier sur tous. J'ai l'impression qu'il est dans les yokai bébés. Ouais, ok, donc oui, il a forcément. Enfin, c'est dommage que ça soit pas un Enma, parce qu'un cercle de feu autour, pour moi, ça correspond plus au Enma, mais tant pis. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. J'ai un doute maintenant. Non, je crois que c'est pas lui. De toute façon, j'ai le rang Z d'Enma dans son autre partie, et du coup, je sais que c'est pas lui. Maintenant, reste à savoir, est-ce que c'est. Déjà, je vais tenter direct de voir si c'est celui du milieu. Il y a pas, c'est pas possible d'avoir des infos sur lui. Ok, donc c'est un rang Z sombre. C'est tout ce qu'on sait à son sujet. Et ça suffit déjà pour me dire que c'est pas lui, ça c'est sûr. Est-ce que si c'est pas lui, ça n'en est aucun. Ah bah non, mais lui c'est un sombre, mais il est que SS. L'autre c'est un rang Z. Mais moi le mien il est sinistre. Donc c'est bizarre, mais il a pas l'air d'appartenir à un événement. Bon. Bah tant pis. Tant pis. Et du coup, on va remettre Coach Antonic parce qu'il est sympa, mais j'aime bien faire un peu de score. Ah non! Là, si on va dans l'événement. En fait, oui, finalement, je vais dans l'événement. C'est bon, je fais pas l'aventure. J'ai tenu 3 secondes. Donc. Alors, vous comprenez peut-être pas pourquoi j'ai fait ça, mais je pense qu'il y en a qui comprennent s'ils ont vu. Une de mes vidéos sur l'événement où je jouais tout simplement cette team parce que c'est une team sinistre et du coup j'ai des boosts sinistres qui vont avec. C'est compliqué on va dire. Voilà. Je sais toujours pas lire. Du coup, cet événement, il est jusqu'au 15, donc oui, c'est 15 jours, c'est logique. Donc, ouais, il y a des trucs sympas et tout. J'ai juste regardé... Enfin, non, je vais pas regarder les top drops, ça sert à rien. Ouais, voilà, du coup, super. Génial. Bon, c'est parti. On peut, dès à présent, commencer par le premier. Étant donné que je les ai fait dans les autres parties, enfin, je les ai fait dans ma partie principale autre. Enfin, j'ai deux parties principales, c'est... Je sais pas comment dire. Mais du coup, dans celle-là, bah, je sais que c'est un rang B et il me semble que c'est un vaillant. Mais du coup, ça me sert à rien de le regarder parce que voilà. Enfin... Là, normalement, juste à faire ça, comme les détails seront très puissants, en fait, seront plus forts en tout cas, je pourrais le faire. Mais ça, je pense que j'ai juste pour que mon équipe avec des rangs B, quoi. Même s'il n'y a pas de boost, en fait, c'est un peu plus vite. Fred, ça lui donne un petit boost sympa. Il est à combien là, je trouve? C'est... Et je n'avais pas eu dans l'autre partie. Ah, il me file ça. Je sais pas si c'est obligatoire, faut voir. Si... Non, mais tout à droite. Si c'était un Enma, ça m'aurait limite changé la vie en fait. Parce que j'aurais mis avec l'autre Enma. Et à ce moment-là, c'est trop bien. Ça par contre, je ne l'ai pas fait dans mon autre. Enfin, je sais plus comment, mais j'avais réussi à passer cette formalité. Je crois que j'ai juste fait retour. Je voulais pas me spoil pour justement faire avec vous, mais peut-être que c'est le truc de golf. C'est pas le truc de golf. Ah, mais c'est l'événement que j'adore, ok. Ah, mais c'est... Ok, donc là, on peut faire la flèche. Super. Bah, ça marche pas. J'ai pas compris. Bon, bah... Désolé, mais là, je vois pas. Il se fiche de moi, mais il se fait one-shot. Bah, c'est dommage, y'a pas les flèches. Si ça se trouve, faut juste lancer avec ses doigts, mais... Tant pis, au pire, si faut pas lancer... Enfin, si on doit lancer avec ses doigts, mais c'est juste que je suis giga... ça se dit pas imprécis. Je suis vraiment pas précis, je sais pas comment on dit, mais je suis vraiment pas du tout précis quand... Il s'agit de jouer avec mes doigts, mais voilà, quoi.
super. On n'a pas encore les trucs. Il y a pas mal de défis par contre. Il y en a 7. Normalement, je crois qu'il y en a 8. Et pour l'autre, il y en a 6. Du coup, dans cette team, elle est trop chiante. Enfin, je ne veux pas la farmer, honnêtement. Peut-être que je vais quand même laisser l'autre sinistre à la place de coach Anthony, qui est pas venu pour faire des scores. Des bons scores, en tout cas. Ouais, non, du coup, il n'y a pas de monstre à son état. Ah oui, non. La dernière fois, j'avais dit que les Enma, ils donnaient un boost. Bah, c'est faux. Enfin, apparemment, du coup, hein. Non, lui aussi, il ne sert à rien. Après, si je veux vraiment pas faire de score, je peux juste faire une team comme ça. Avec mes meilleurs rangs. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, dites-vous bien encore une fois que le but de cette team n'est pas de faire des bons scores, c'est juste d'attaquer, de battre rapidement les ennemis en fait. Bon, après, il y a des level 1 dans les SSS, donc même s'ils sont très bons les SSS, bah, il faut quand même attendre que. Bah, il faut quand même les XP, quoi, je sais pas comment dire. Et du coup, là, c'est. Pardon. C'est parti, du coup. Est-ce que si j'éclate juste, ça passe? Ça a l'air de faire pas mal de dégâts, mais je pense que c'est pas un très très bon gameplay de faire plus que ça en lui. Alors que ça, bien sûr, fait beaucoup plus de dégâts en un seul coup, c'est beaucoup mieux. Ah bah non, c'est bon, on peut dire que ça. Parfait. En plus, c'est vachement stylé, je trouve, quand même. Hein. Je les trouve tous tellement stylés. La pose de fin, elle est incroyable. Le groupe, tous ensemble, là. Comment il s'appelle Bah non, mais c'est un truc avec le... Non, c'est pas les crampes de cou, je pense, je sais plus comment il s'appelle, mais... Il était dans un épisode de Yokai Watch. En français, quoi. C'était pas crampeau ou un truc comme ça, je m'en souviens plus. C'était quelque chose en rapport, bah, ça se voit avec son cou, mais qu'il y avait un truc en mode... Il y avait des crampes au cou, je sais plus comment ça s'appelait du coup. Et pour moi, crampe, crapaud, ça se ressemble, ils ont fait un moment. Je pense que c'est... Enfin, c'est pour ça que je dis que ça s'appelle crapaud, si ça se trouve, ça s'appelle pas comme ça. Mais pour moi, il avait un rapport avec les crampes, et c'était un crapaud, donc voilà. Parfait. Pour moi, le plus stylé d'entre tous, quand même, c'est à tout à droite avec son cercle de feu. Même si tout à gauche, avec son pouvoir de plante, il est sympa avec sa lumière. Mais vraiment, le pouvoir de feu, le cercle qui est autour, il est incroyable. Ouais, il est déjà réapparu. Ok, Jalouse Rise, je crois qu'il s'appelle lui. Je crois que c'est Jalouse Rise. Je sais pas, ça m'est dit comme ça, donc ça doit être le cas. Quand ça me vient comme ça, généralement, c'est que c'est le cas, parce que je suis pas du genre à me souvenir que l'un des yokai, mais... Si ça me vient d'un coup, c'est que c'est ça, je pense. Donc, je pense que j'ai utilisé une technique... Alors, vous comprenez peut-être pas ma technique. Je vais vous la donner. Ça marche pas avec tout le monde, je pense. Mais je pense que la technique aussi, elle est connue si elle marche vraiment. C'est juste incliner votre téléphone à 90 degrés. Donc là, par exemple, j'ai fait un score assez nul. Mais j'aurais pu faire bad si j'avais pas utilisé cette technique. En fait, incliner votre téléphone à 90 degrés vers la droite ou la gauche. En fonction de si vous êtes droitier ou gâché. Ou putain. Oh, c'est méchant. Non, désolé, c'est un lapsus. Non, lapsus révélateur. Oh, je dis n'importe quoi, désolé. Donc, un droitier ou un gaucher. Et bah, vous allez mettre du coup votre téléphone à 90 degrés. Et vous allez faire à partir de votre barre. Ça veut dire, si moi, par exemple, étant droitier, et bah, je vais tourner mon téléphone de façon à ce que ça fasse un écran à gauche et que je puisse lancer directement avec ma main droite vers la droite et à l'inverse pour les personnes gauchées. Voilà, c'est la fin de la vidéo et on se retrouve bientôt pour...